Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo. Un produit collector, un DVD collector qui commence déjà à dater. On continue avec les anciens produits, vu que pour le moment, en nouveauté, il n'y a vraiment pas grand-chose, mais ça finira par venir, je vous le promets. Voilà, on profite dans cette vidéo de l'effet de mode de la série Netflix Lupin avec Omar Sy qui fait un joli clin d'œil donc au personnage Arsène Lupin. Et on en profite donc pour vous présenter ce film qui date donc de 2004, le film Arsène Lupin, un film de Jean-Paul Salomé avec Romain Duris, Christine Scott-Thomas et Pascal Grégory. On vous présente tout de suite le film, un boîtier, un digipack absolument de luxe, vous pouvez me croire, ça se voit directement au toucher. On vous présente tout ça tout de suite, mais avant ça, rendre hommage au film de Jean-Paul Salomé, Arsène Lupin, à travers sa bande-annonce. Mesdames, messieurs, permettez-moi de me présenter. Raoul d'Andrézy, brigade des douanes. La police est déjà prévenue qu'un voleur se trouve à bord. Il n'a aucune chance de s'échapper. Pourquoi ce nom, Raoul d'Andrézy? Arsène Lupin, c'est quand même mieux, non? Clarisse, je ne suis pas sûr d'être l'homme que tu attends. L'homme que j'attends s'appelle Arsène Lupin. Il ne fuit devant personne, mais il ne renie pas son nom, lui. Joséphine Balsamo, reconnaissez-vous avoir volé ce crucifix? Et les trois crucifix réunis révèlent le secret du trésor des rois de France. Qui êtes-vous? Vous me prenez pour le diable? Vous en avez la beauté. Joséphine te manipule! Si tu continues comme ça, tu finiras par perdre. Je t'avais dit de ne jamais me mentir. Voilà, pour moi, un film, un bon film, sans plus. Je n'en dirai pas plus, le film m'a plu, point final. Mais la version, le produit qui est arrivé quelques mois après le film, celui-là m'a vraiment comblé parce que il met vraiment bien en valeur le film Arsène Lupin. Rien qu'au toucher, comme je vous disais avant la bande-annonce, il est fourré en velours. Très joli au toucher, très joli aussi visuellement. À l'intérieur, le DVD bien sûr du film et un deuxième DVD avec les suppléments. Andrés vous filme tout cela tout de suite et je reviens juste derrière pour la conclusion. Thank you.
Voilà, je ne le dis pas souvent, au contraire, d'habitude je dis l'inverse, mais ici peut-être que le produit, le film a peut-être été un peu trop mis en valeur, surtout quand je pense à des films comme Cinéma Paradiso, Forrest Gump, le Dracula de Coppola, ou encore plus près de nous, le Green Book, qui n'ont pas eu un tel traitement de faveur, et des titres donc... comme je vous dis, qu'on attend toujours avec une édition collector digne de ce nom. Pour en conclure avec Arsène Lupin, vous dire simplement que si vous êtes occupé pour le moment à visionner sur Netflix la fameuse série Lupin, donc qui fait un très beau clin d'œil à Arsène Lupin, je vous conseillerais niveau série. Pour moi, forcément, je suis toujours vachement rétro, mais pour moi, c'est quand même la meilleure, la fameuse série Arsène Lupin de 1971, avec Georges Descrières dans le rôle d'Arsène Lupin. Vous ne pouvez pas vous tromper, le thème musical est chanté par Jacques Dutronc. Comme ça, vous savez tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous invite à voir le film. Moi personnellement, je l'ai aimé, sans plus. Je vous invite donc à vous faire une idée vous-même, à le voir et peut-être même à l'avoir aussi, à ce sujet-là, dire qu'il est toujours assez facile à trouver et à un prix défiant toute concurrence. On vous laisse tout ça dans le descriptif en dessous de la vidéo. Voilà, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et surtout, surtout, continuez à vous abonner comme vous le faites chaque semaine, semaine après semaine. À très bientôt. Salut, ciao.